Tu vas pas me mettre ça. Oh, oh my God, t'es pas sérieuse. Ah, ça va? T'es ton bébé! 8 mois! J'ai appris à connaître Céline et René dans leur intimité parce que j'étais assistante à la réalisation sur le documentaire de la tournée mondiale de Céline Dion. Donc, on a tissé des liens. Et mon chum était derrière la caméra à ce moment-là. Et encore aujourd'hui. Je ne te connaissais pas, mais tu me faisais rire aux éclats. Avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon nom. Cette chanson-là, je l'ai écrite pour passer à travers un deuil que j'ai eu à vivre. J'ai perdu mon premier bébé quand j'étais enceinte de 5 mois à cause d'une maladie chromosomique très rare. Ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. C'est en écrivant que j'ai été capable un peu de m'aider à passer au travers, en fait. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais le tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? René me dit, Marianne a écrit une chanson, elle veut savoir ce qu'on en pense. Moi, j'écoute la chanson 32 secondes, je me mets à pleurer. Puis là, je dis, je vais la chanter. Mais non, mais je sais pas. Ils veulent peut-être pas ta chante, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. Là. Elle veut peut-être juste savoir si on trouve ça bon, là. Mais... Oh, j'ai dit, excuse, là. Ben, en tout cas, j'ai dit, si jamais elle veut que je la chante, là, c'est sûr que je dis oui. Jamais j'ai même pensé que Céline voudrait chanter ma chanson. Coucher au creux de mes mains, un petit être si léger, mais tellement, tellement pesant dans mon cœur de maman. Je les aime tellement. J'ai tellement eu de peine de ça. Et j'ai perdu un enfant aussi, pas aussi dramatiquement qu'eux. C'est tellement un grand malheur, tu sais, pour toutes les femmes quand ça arrive. T'sais. Fait que, ça nous habite pour la fin de nos jours. Ce que je trouve génial dans le fait que ce soit Céline Dion qui chante cette chanson-là, c'est qu'elle va être entendue par des milliers de personnes. Puis c'est comme si la courte existence de la petite Léa va être gravée à jamais. Puis ça met un baume sur mon cœur de maman. Mon Dieu, dites-moi pourquoi je ne lui aurais chanté qu'une seule fois. Bonne nuit, cher trésor. Ferme tes yeux et dors. J'étais plus capable, je vais chanter. Oh, t'aimes ça? Oui. Merci beaucoup de la chanter. Est-ce que je peux faire?